Yo l'équipe, c'est Fry, j'espère que vous allez bien. Mon il y a comme d'habitude, ça pète la forme aujourd'hui, les gars. On va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online, où on va se retrouver pour l'after patch du glitch des femmes qui offrent leur corps. Donc c'est déjà le deuxième ou le troisième after patch. Vous allez voir que c'est en 100% solo PS4 Xbox One, les gars. Encore une fois, c'est pas trop compliqué, c'est un petit peu plus compliqué que les autres méthodes. Mais si vous écoutez bien ce que je dis, ça ira parfaitement. Donc je m'excuse si j'ai une voix un petit peu rauque ou que parfois je vais dire des mots un petit peu, voilà, que je vais dire de façon bizarre. Je suis vraiment malade, donc j'ai vraiment forcé pour vous faire la vidéo. Pour que vous puissiez justement faire des duplications. J'espère que vous allez kiffer. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner, les gars. Autant de les 800 likes, n'hésitez pas à la partager à tous vos potes, c'est super important, les gars. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Désolé pour la sortie de la vidéo un petit peu tardive, mais voilà. Donc, les gars, pour ce glitch, il vous faudra soit une boîte de nuit avec un garage. Donc, il faudra de toute façon un garage, mais donc soit à la boîte de nuit, soit à la salle d'arcade, soit au complexe. Soit au casino, donc les garages du casino, ou soit vous pouvez très bien le faire aussi si vous voulez avec l'arène. Donc c'est à vous de choisir, c'est comme vous voulez. Voilà, il y a plusieurs bâtiments qui s'offrent à vous de choisir lequel vous voulez, mais forcément il faudra un garage. Dans ce garage là, les gars, il faudra mettre votre véhicule à dupliquer. Donc aussi, il faudra avoir un centre d'opération mobile avec au module 3 le dépôt de véhicule personnel. Et dans le dépôt de véhicule personnel, vous allez mettre une Elegy RH8. Voilà, bien pour toi que dans le dépôt de véhicule personnel, vous mettez une Elegy RH8. Donc pour ceux qui n'auraient pas le centre d'opération mobile, vous pouvez très bien le faire sans le centre d'opération mobile, ça fonctionne aussi. Je vous mettrai en description, les gars, une vidéo que j'ai faite simplement il n'y a pas longtemps du glitch qui a été patch avec les femmes qui offrent son recours, et j'expliquais comment faire pour faire le glitch sans le centre d'opération mobile. Donc le glitch fonctionne aussi sans le centre d'opération mobile, il n'y a pas de souci. Moi je vous conseille vraiment avec le centre, c'est toujours le plus facile. Donc premièrement, comme je vous ai expliqué, on met les gear HP dans le centre d'opération mobile. Voilà. Quand on a fait ça, on va mettre notre véhicule à dupliquer dans un des garages. Moi, pour ma part, je vais faire le glitch avec le garage du casino. Maintenant, vous faites le glitch avec le garage que je vous avais dit de faire ce que vous voulez. Donc, soit boîte de nuit, etc. N'oubliez pas que duplique que des lowriders ou des véhicules transformés de l'arena si vous voulez les revendre. Vous pouvez dupliquer ce que vous voulez, mais si vous voulez vous faire de l'argent avec, il faudra obligatoirement que ce soit des véhicules de chez Beniz ou de l'arena. Il faudra aussi un club de motards, les gars. Et dans le club de motards, il faudra à partir du moment appeler un Faggio, en tout cas appeler une moto. Cette moto, il ne faudra absolument pas qu'elle vienne du QG de motard. Elle peut venir de n'importe quel garage, que ce soit garage d'appartement, garage normal, mais elle ne peut absolument pas venir du QG. Si elle vient du QG, vous ne pourrez pas faire le glitch, tout simplement. Vous, si vous n'avez pas, vous achetez tout simplement, enfin vous commandez une moto dans un garage n'importe lequel, et puis vous l'appellerez via votre QG de motard, enfin votre club de motard plutôt, pardon. Donc après, quand vous aurez fait tout ça, que vous aurez tout réuni, on va appeler notre centre d'opération mobile. Donc en session invitation, on appelle notre centre d'opération mobile. Vous, forcément, vous allez mettre le plus près de votre bâtiment. Moi, comme je fais le glitch avec le casino, ben, je vais le faire tout près du casino. Mais si vous le faites à l'arena, ben, vous le mettez tout près de l'arena. Forcément, il n'y a rien de compliqué, les gars. Moi, je le fais au casino, donc je le mets plus près du casino. Ensuite, quand j'ai fait ça, je vais maintenir la flèche de droite pour en fait détacher mon camion de ma remorque. Que vous ayez n'importe quel camion, peu importe. Vous allez mettre votre camion de votre centre d'opération mobile le plus près possible de votre remorque pour qu'un véhicule passe entre les deux. En fait, c'est la Elegy RH8 du centre d'opération mobile qui doit passer entre les deux pour pouvoir en fait tout simplement bloquer les deux portes. Si vous avez un autre endroit pour bloquer les deux portes, vous pouvez très bien le faire, mais moi je vous conseille vraiment, comme j'ai fait celui-ci, avec le centre d'OP. Voilà. Donc là, on rentre dans la remorque du centre d'opération mobile et on va choper la Elegy RH8 qui est à l'intérieur. Voilà. Donc hop, on arrive, on chope la Elegy RH8 qui est à l'intérieur du centre d'OP. Tranquillement, les gars, il n'y a vraiment rien de plus facile, croyez-moi. Ensuite, vous allez regarder pour voir si vous avez mis assez d'espace entre le camion et la remorque. Regardez bien, donc normalement, quand je fais trioc pour sortir du véhicule, vous voyez bien que mon personnage se téléporte dans la Elegy RH8 et n'ouvre plus les portières. C'est ça qu'on veut, les gars. Là, par contre, vous voyez bien qu'il y a quand même quelques espaces entre la porte et entre les portes de la Elegy RH8 et le camion. C'est pour ça que maintenant, ce que je vais faire, regardez, je me rapproche ma Elegy RH8 et je vais simplement rapprocher mon camion. Il faut vraiment que la Elegy RH8 s'insère, comme ça, au moins, on est sûr que quand vous appuyez sur triangle, vous êtes bien téléporté hors du véhicule et que vous n'ouvrez pas les portières. Voilà, comme ceci. Donc, hop, on va retester. Quand vous appuyez sur triangle et que vous êtes téléporté dans votre Elegy RH8, ça veut dire que c'est nickel, vous êtes bien bloqué. Regardez bien, j'appuie sur triangle et je suis directement téléporté dans ma Elegy RH8, c'est ça que je veux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est seulement attendre entre 23h et 6h du matin pour qu'en fait les femmes qui offrent leur corps apparaissent sur la map. Voilà, les gars. Si vous en avez marre d'attendre tout le temps qu'il soit 23h, et bien les gars, vous pouvez très bien faire le glitch pour friser le temps. Je vous mettrai aussi une vidéo où je vous explique comment friser le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il sera minuit pendant 10 heures si vous voulez. Voilà. Mais moi, pour ma part, j'avais pas frisé le temps parce que je me suis dit, je vais juste vous montrer. Donc là, vous voyez bien qu'il est minuit 28. C'est parfait. C'est bien l'heure. Donc, l'heure à laquelle les femmes qui offrent leur corps apparaissent, c'est entre 23h et 6h du matin. Voilà. C'est bien important de le savoir.
Il y a plusieurs endroits où les femmes qui offrent leur corps apparaissent. Donc il y a soit l'endroit où je vais vous montrer actuellement. Il y a un endroit qui est tout près de l'arena. Voilà, il y a 3-4 endroits. À vous de choisir lequel vous préférez. Moi, pour ma part, c'est celui-là que je préfère puisque je fais le glitch avec le casino. Voilà. Encore une fois aussi, je répète, je m'excuse de parler un petit peu du nez parce que je sais bien que, à mon avis, après le rendu de la vidéo, j'entendrai que je parlerai du nez. Mais comme je suis malade, les gars, j'ai vraiment donné tout pour sortir cette vidéo. J'espère que bah, vous comprendrez et j'espère surtout vous kifferez. Voilà. Donc là, hop, il est entre 23h et minuit et 6h du matin. Et là, je vais chercher après une femme qui offre son corps. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui rigolent pourquoi je dis ça. C'est peut-être pour la monétisation. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand j'arrive tout près de la femme qui offre son corps, je klaxonne pour qu'elle rentre dans mon véhicule, tout simplement. J'ai oublié de vous dire, mais dans l'onglet véhicule, il faudra absolument que vous ayez mis passager. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire rentrer que des passagers dans votre véhicule. Voilà. Donc, hop, vous ouvrez menu d'interaction, véhicule, et vous mettez. Droit d'entrée dans le véhicule, seulement passager. Voilà, c'est important de bien le signaler parce que je l'ai pas montré dans la vidéo, mais je vous le dis maintenant. Donc le Wunders, les gars, comme d'habitude, dans la description. J'espère que vous kifferez. Donc là, quand j'ai attrapé, enfin, quand j'ai pris justement la femme qui offre son corps dans mon véhicule, je vais tout simplement me diriger vers mon centre d'opération mobile. Voilà. Effectivement, là, petit peu ramasser le véhicule. J'espère que vous allez kiffer, les gars. C'est un after patch, un after patch, un after patch. Il va sûrement encore être rapidement patché d'ici un jour, voire 2 jours maximum. Donc profitez-en. Donc là, vous allez sortir une arme, les gars. C'est très important parce qu'il y en a certains qui avaient oublié cette étape. Vous allez sortir une arme et vous allez tirer en fait. Vous allez tirer pour qu'en fait la femme qui offre son corps soit apeurée. Donc elle ait peur et qu'elle ne vous puisse plus sortir du véhicule. Donc hop, regardez bien quand vous. Bloquez bien votre les garages entre le camion et la remorque. Tirez bien avec une arme. Donc très important les gars, je le répète encore, vous tirez bien avec une arme pour que votre la femme qui offre son corps soit ait peur et ne sorte plus du véhicule. Donc là vous voyez bien que j'ai fait triangle, moi je me suis téléporté en dehors du véhicule. Mais la femme elle est restée à l'intérieur de la les garages. Maintenant c'est la manip un petit peu plus compliquée, mais vous allez voir que si vous m'écoutez ça va passer nickel. Vous allez devoir en fait avec le camion, donc quand vous êtes dans le camion, que vous rentrez dans le camion, là directement vous allez dans véhicule, accès véhicule, et là vous allez faire flèche droite pour passer de passager à tout le monde. Voilà, donc avant on était sur passager, là on va passer à tout le monde. Donc on a le menu d'interaction, véhicule, accès véhicule, on fait flèche droite pour qu'on soit dans accès véhicule, tout le monde. Voilà, maintenant ce qu'il va falloir faire, les gars, c'est très simple. On va devoir reculer, et en fait il va falloir que la femme qui offre son corps passe du côté conducteur. Donc en fait, comme si elle voulait sortir du véhicule, et directement quand elle veut commencer à sortir du véhicule, on va bloquer la porte. Donc regardez, vous allez essayer de reculer calmement jusqu'à ce que la femme qui offre son corps commence à essayer de passer côté conducteur. Et quand elle commence à changer de siège, donc en fait elle va simplement changer de siège pour sortir, et bien là directement avec le camion, il faudra bloquer la porte pour qu'elle soit bloquée à la place côté conducteur. Donc là vous allez voir que je vais me fail, et ça va pouvoir vous arriver quelques fois si vous ratez. Donc regardez, ben, je recule, je fais des à-coups pour reculer tout doucement, et là bon, vous voyez bien que la femme passe de côté conducteur, mais je n'ai pas réussi à bloquer la porte assez vite, donc elle a su sortir du véhicule. Le but, nous, c'est d'en fait, quand la femme, et ben tout simplement, elle veut sortir du véhicule, donc elle passe côté conducteur, on bloque directement la porte avec le camion. Voilà, donc là, j'ai changé. Donc j'ai directement repris une femme qui offre son corps et je vais vous montrer que là je vais bien réussir. Donc les gars, c'est vraiment important d'aller doucement et de donner quelques petits à-coups pour reculer avec votre camion pour que directement quand la femme qui offre son corps change de siège, donc en fait qu'elle aille du côté conducteur pour essayer de sortir du véhicule, on rentre dans la porte côté conducteur pour qu'elle ne puisse plus sortir. Regardez bien, là je donne des à-coups, je recule puis j'accélère pour que directement quand elle change de siège, je sois devant la porte. Donc je recule et j'attends que la femme qui offre son corps sorte et change de siège en fait. Donc je recule, regardez bien, elle va changer de siège. Hop, je continue à reculer et je ravance pour être sûr. Boum, là, elle n'a pas encore de siège, je recule, regardez bien. Je recule, toujours pas sur le siège, ça n'est pas grave, on recule et là, regardez bien. Elle change de siège directement. À partir du moment où elle commence à changer de siège, j'accélère et je bloque la porte côté conducteur, comme j'ai fait là moi actuellement. Comme ça va lui empêcher en fait de sortir. Là, vous voyez bien que là, elle n'a pas pu sortir, c'était impossible. Et elle se retrouve côté conducteur, ça c'est parfait, c'est nickel les gars. Ensuite, quand vous aurez bien réussi ce petit bug, qui n'est pas spécialement compliqué mais qui va la refaire quelques fois avant de réussir, vous allez vous inscrire en tant que club de motard. Donc on s'inscrit en tant que club motard les gars. Et vous allez vous éloigner du véhicule. Parce que sinon quand vous mettrez président du club, il sera mis renvoyer le véhicule. Donc on s'éloigne de la ligue RH8. On s'éloigne encore jusqu'à ce qu'il soit mis tout simplement appeler une moto. Il y a des belges, je m'éloigne, président du club, et là je peux appeler une moto. Là je vais appeler une moto qui est dans n'importe quel garage. Je le répète encore, il faut absolument pas appeler une moto qui est dans un QG de motard, sinon ça ne fonctionnera pas la team. C'est bien important, je le répète, mais franchement c'est vraiment important les gars. Voilà. Donc quand j'ai appelé ma moto, vous voyez bien qu'elle n'a pas apparu sur la map et que ma LA Garage 8 est toujours bien
sur la map et que ma moto n'a pas apparu, c'est nickel. Et là, vous voyez bien que la femme qui offre son corps est toujours bien dans le véhicule. Maintenant, je vais apparaître dans mon garage. Donc, moi, c'est le garage du casino. Vous, ce sera peut-être un autre garage. Je vais choper mon véhicule à dupliquer. Hop, j'accélère. Et là, il suffit de sauvegarder la duplication et vous aurez fini tout simplement. Vous aurez fini le glitch. Voilà. Donc là, les gars, hop, je me dirige vers la remorque. La femme qui offre son corps est toujours bien dans le véhicule. C'est parfait. Je sors une arme et en fait, je vais devoir la tuer. Voilà, comme ça, le véhicule va disparaître. Regardez bien. Je pointe mon arme vers elle. Je lui tire dessus. Et quand elle est morte, tout simplement, le véhicule disparaît automatiquement. C'est parfait. Ensuite, vous allez derrière la remorque du centre d'opération mobile. Vous faites flèche de droite. Et après, vous acceptez tout simplement dépôt de véhicule plein. Et vous rentrez. Donc là, vous avez remarqué peut-être que la fin du gameplay n'est pas la même. La remorque n'est pas située au même endroit, c'est normal les gars, malheureusement. Moi, j'avais appelé en fait une moto qui était dans le QG de motard. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de ne pas appeler une moto dans le QG de motard. Je n'ai pas pu rentrer ma ici anticipation. Après, pour enchaîner, les gars, vous recommencez la manip depuis le début. Et en fait, surtout, j'avais oublié de vous le dire, mais la moto que vous appelez, elle est supprimée. Donc attention à ne pas appeler une moto vraiment très chère. Il faudra vraiment appeler une moto qui est comme Faggio ou quoi. J'espère que vous avez kiffé, les gars. C'était Fries. Prenez soin de vous. Prenez soin du glitch. Profitez-en. Allez, bye tout le monde.